Et tout le monde, aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo bullet journal de 2022 de janvier. Je pense que je vous ferai une petite vidéo organisation en janvier si je continue les vidéos juste d'ici là parce que bah, j'aurai peut-être pas le temps, mais si j'ai le temps, je vous en ferai une parce que mon organisation elle a assez changé. Je suis partie en début d'année avec une raison bien précise et au final. Bah, je me suis un peu perdue dans cette même organisation. Donc du coup là j'ai voulu changer et vous voyez on change de format bullet journal aussi. Donc j'ai pris ce carnet qu'on m'a offert il y a un petit bout de temps et on va donc faire le bullet journal dedans. Alors c'est pas des pointillés, c'est des lignes, mais moi ça me convient et c'est ce que je vais garder. Donc vous allez voir qu'on va faire des pages à l'année, plusieurs pages et juste les couleurs du mois. C'est ces couleurs-là, donc pour janvier un petit peu hiver. Je vais utiliser des stickers planeurs, des stickers normaux, un peu de scrap, enfin plein de trucs. Et bah vous allez voir, normalement ça va prendre forme au fur et à mesure de la vidéo. Donc voilà, je vous laisse découvrir tout ça et on se retrouve en fin de vidéo. Thank you.
J'ai terminé mon bullet journal du mois de janvier et de l'année. Alors, ça donne pas ce que je voulais exactement, mais je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Donc, voilà pour la page de 2022. J'ai voulu faire assez sobre et épuré. Ici, on a donc mes objectifs de l'année 2022 que je vais mettre écrire ici. Je les mets pas encore parce que c'est assez personnel, vous voyez, donc je vais pas tout vous partager. Ensuite, on a donc la page des économies avec ce que je voudrais acheter pour mes économies. Ici, on a une page de cycle. Bon, voilà. Moi, je l'ai mise, mais après, vous faites comme vous voulez. Moi, c'est quelque chose que je mets maintenant chaque année dans mon bullet journal. Ça me permet de suivre un petit peu ce qui se passe dans mon corps. Donc, bah voilà. Moi, je trouve que c'est une très belle page. Ensuite, donc, je vais écrire tous mes mots de passe parce que du coup, ils sont dans l'autre bullet. Mais vu que je vais le ranger, ben. J'aurai plus mes mots de passe, donc à chaque fois je réécris tous les mots de passe. Et ensuite, donc les rêves que j'aimerais réaliser, je fais une petite liste. Et bah, ça me permet de voir comment je peux procéder. Et donc pour le mois de janvier, alors vous voyez que ici j'ai coupé un bout. Alors je sais pas si je vais continuer comme ça ou pas, faudra voir. Mais comme ça c'est plutôt pas mal. Alors après, parce que là vous voyez ça fait un petit peu des intercalaires, mais je trouve que ça fait un peu court comme page, donc je verrai. Donc page de présentation très simple. Ici on a donc une page, une vue d'ensemble sur le mois, donc avec le calendrier du mois, les dates que je vais noter ici, mes objectifs du mois et une page de notes sur ce que je dois faire, acheter, etc. Et ici, on a une double page sur YouTube, donc vous voyez que c'est vraiment pas grand-chose en tant que bullet journal. Donc double page sur YouTube avec ma première chaîne de jolies créations, donc les vidéos, etc. Ça, je vous expliquerai tout ça dans une vidéo de nouvelle année, je pense. Mais vous verrez que le rythme va changer parce que ben, sinon, j'aurai pas assez de temps. Les publications que je dois faire sur Insta, etc. Et là, ma deuxième chaîne donc, que j'ai mis, Curvy by Y. Et donc, pareil avec les vidéos et Instagram. Voilà. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de déco, c'est assez sobre. Voilà. Je vais voir comment ça va se passer. Mais pour l'instant, c'est tout ce que j'ai besoin. Après, peut-être qu'au fur et à mesure de l'année, je vais rajouter des pages, etc. Je verrai bien. Mais pour l'instant, c'est comme ça que je souhaite ce bullet journal. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je vous fais plein de gros bisous et on se revoit bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.